Bonjour. Alors, on se retrouve pour la correction des exercices de géométrie spatiale. Donc, avant de visualiser cette correction, je veux vraiment que vous ayez regardé les deux vidéos, donc celle sur les types de liaisons chimiques en fonction de la différence d'électronégativité entre les atomes et celle pour dessiner les molécules, qui s'intitule dessin de molécules, je pense, en 2D ou quelque chose de ce genre-là. Il y a à chaque fois les références des pages dans les vidéos. Et puis, donc, vous devez avoir fait les exercices qui sont donc à la page 25 de votre cours, si je ne me trompe pas. Et donc, on vous demande de dessiner donc les diagrammes de Lewis de ces molécules relatifs à, en tenant compte donc de préciser le type de liaison, les charges qui sont portées par les atomes, s'il y en a, et si oui ou non les atomes font l'octet. Alors, première chose, faites bien attention que le diagramme de Lewis, c'est bien le dessin de la molécule. Et le petit machin avec la croix, donc par exemple MG avec ses deux points, ça, c'est pas un diagramme de Lewis, c'est une structure de Lewis. C'est le même monsieur qui a représenté les deux, donc les deux ont son nom, mais forcément, c'est pas la même chose. Donc, alors, première molécule. Donc, F2. Alors, F2, la différence d'électronégativité est égale à 0. On fait F moins F. Donc, je dessine le F avec sa structure de Lewis en face d'un autre F avec sa structure de Lewis. Et j'ai donc deux électrons célibataires que je vais mettre en commun, qui vont être partagés par les deux atomes et qui vont faire que chaque atome va donc bien faire l'octet, car 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N2, on l'a fait dans les exemples, donc si vous l'avez vu dans les vidéos, donc la différence d'électronégativité est également plus petite que, enfin, égale à 0. J'ai donc un N qui a 5 électrons face à un autre N qui a 5 électrons. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne les avez pas dessinés face à face, parce que forcément moi je les dessine correctement parce que je sais à quoi ressemble la structure et que je sais ce à quoi je vais arriver. Vous, a priori, vous ne le savez pas encore. Donc, chaque électron célibataire veut se mettre en couple avec un autre électron, et comme chacun en a 3, ben, ça tombe bien, ça donne un truc comme ça. Donc vous pourriez très bien avoir quelque chose comme ça, avec du coup ben, celui-là qui se met comme ça, celui-là qui se met comme ça, et puis celui-là qui se met comme ça. Ça ressemble à rien, on est d'accord, mais le principe est que tout le monde soit relié à un électron célibataire. Ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, les deux atomes font bien l'octet. Ce sont des... Ah, j'ai oublié de mettre le type de liaison, tiens. Dans la première, c'est une liaison covalente pure, et ici, c'est trois liaisons covalentes pures. Il n'y a donc pas de charge. Alors, c'est Cl4. Alors, la différence d'électronégativité. Alors, c'est une bonne question parce que j'ai pas de tableau périodique du coup. Alors, alors, donc en fonction des tableaux, donc du coup là j'ai pris un tableau que je trouve sur internet parce que j'ai pas le mien et j'ai pas celui que je vous ai donné. Et donc les électronégativités varient parfois un peu d'un tableau à l'autre. Donc le C et le Cl. Alors le Cl c'est 3, donc on va faire Cl moins C. De toute façon, c'est les valeurs absolues, je vous rappelle. Donc c'est 3 moins 2,5, soit 0,5. Donc ne vous inquiétez pas, aux interros, on tombera jamais sur 0,5 et sur 1,7, parce que c'est les valeurs charnières et que ça dépend un peu à chaque fois de quelle molécule à quelle molécule on a affaire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre que l'électronégativité doit être plus petite que 0,5 et qu'à partir de 0,5 jusqu'à 1,5, 1,7 pardon, inclus, on a une liaison covalente polarisée. Donc, on va prendre 0,5, 1,7. Donc, de 0,5 à 1,7, on va dire que c'est covalente polarisée. Avant, c'est covalente pure et après,
c'est ionique. Comme ça, on est tous d'accord, même si je vous ai dit peut-être le contraire en classe ou quoi. Donc on va prendre ça. Et de toute façon, en interro, en général, je tombe jamais sur 0,5 et 1,7. Mais comme ça, si on tombe dessus, ben, comme ici par exemple, on va dire, ok, c'est 0,5. Donc à partir de 0,5, on est dans une covalente polarisée. J'ai donc un C qui a 4 électrons, qui va devoir se faire des liaisons avec 4 Cl. Alors je vais faire semblant de ne pas savoir à quoi ça ressemble et vous les placer ici. Et donc pour pouvoir que tout le monde fasse l'octet, ben j'ai celui-là qui doit se rassembler avec un électron célibataire, un électron célibataire, un électron célibataire, un électron célibataire. Pour bien faire, il faudrait que tout le monde fasse l'octet. Donc si je regarde l'octet, les Cl ont tous 8 électrons, donc c'est bon. Et le C, il a bien 8 électrons, donc c'est bon. J'ai 4 liaisons covalentes polarisées. Qui dit liaison covalente polarisée dit charge partielle. Les charges partielles, c'était quoi? Une charge partielle, c'est un delta plus ou un delta moins. Va être delta moins celui qui attire les électrons. Celui qui est le plus électronégatif, c'est le Cl. Donc, il va attirer les électrons de la liaison. Il va devenir delta moins à chaque fois. Et le C va devenir 4 fois delta plus. Donc il devient une fois delta plus parce qu'il perd cet électron-là. Il perd celui-là, il perd celui-là, il perd celui-là. Donc il devient 4 fois delta plus. Alors, HF. On fait la différence d'électronégativité. Alors ça fait 4 moins 2,1. Donc on arrive largement au-dessus de 1,7. Ça fait 1,9. Donc j'ai un H avec un électron. C'est pas un Cl, c'est un F. Un F. Un F avec ses 7 électrons. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une liaison cette fois ionique. Donc le H donne son électron à F qui reçoit son électron. Et cette fois-ci, ce n'est pas des charges partielles qu'on a, c'est des charges qui sont entières. Donc j'ai le H qui est devenu plus et le F qui devient moins. J'ai une liaison ionique et point de vue de l'octet, tout le monde. Le H fait l'octet parce qu'il a vidé sa couche électronique, donc il n'a plus du tout d'électrons, on est d'accord, c'est le seul qui peut faire l'octet sans avoir aucun électron. Et le F a bien ses 8 électrons, 2, 4, 6, 8. Alors, après HF, j'ai NH3 et puis CH4. Donc, NH3, et je vais déjà mettre CH4 ici. Alors, entre N et H, alors l'électronégativité de N, c'est 3 aussi, je pense. Donc, je vais avoir 3 moins 2,1 et on obtient une covalente polarisée. Donc, les chiffres peuvent être un peu différents sur votre tableau. J'ai donc un N avec 5 électrons et 3 hydrogènes avec un électron. Donc, en fait, en écrivant les atomes avec leur structure de Lewis, ben, vous voyez direct comment ça peut se goupiller parce que, en gros, les électrons célibataires sont censés se rassembler ensemble pour faire des couples d'électrons. Donc, j'ai trois liaisons covalentes polarisées. Attention, covalente polarisée veut dire charge partielle delta plus delta moins. Celui qui est le plus électronégatif, c'est le N, donc il attire les électrons vers lui. Vous n'êtes pas obligé de mettre ces petites flèches-là sur le truc, mais parfois c'est plus clair. Le N est donc trois fois delta moins parce qu'il attire les électrons, et chaque hydrogène est delta plus. Et donc, vous voyez bien que dans une molécule, au sein d'une molécule, j'ai toujours autant de charge moins que de charge plus, étant donné que ce n'est pas un ion, c'est une molécule, qu'elle n'est donc pas chargée globalement, elle est neutre. Donc, il faut toujours que si j'ai à un moment donné noté 3 delta moins quelque part, il faut forcément que j'ai 3 delta plus à un autre endroit. Au niveau de l'octet, les H sont bons et le N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, le CH4, le C. C'est 2,5 moins 2,1, on est à 0,4, donc on a une liaison covalente pure. Alors j'ai un C qui a
4 électrons et j'ai 4 hydrogènes. Pour pouvoir mettre les électrons en commun, ça va ressembler à ça. J'ai pas de charge parce que c'est une liaison covalente pure. J'en ai 4 des covalentes pures. Et si je regarde au niveau de l'octet, le H est bon parce qu'il a bien 2 électrons. Et le C est aussi bon parce qu'il en a 2, 4, 6, 8. Alors j'ai barré le deuxième CCl4 de l'énoncé simplement parce qu'on l'avait déjà fait et que je l'ai noté deux fois dans l'énoncé. Cl2O, PH3, BCl3. Cl2O. PH3 et puis BCl3. Alors Cl2O, je prends la différence d'électronégativité, ça fait donc 3 moins 3,5, quelque chose de ce genre là, je pense. Donc 3,5 moins 3. Donc on est à mon avis à 0,5, quelque chose de ce genre là. Donc si on prend les conventions qu'on a prises tantôt, on a donc une liaison qui est covalente polarisé. J'ai un oxygène ça a 6 électrons et j'ai 2 Cl. Pour pouvoir mettre en commun, je suis obligée de faire ça. Alors attention, c'est un truc que j'ai pas dit par avant, mais donc évidemment vous êtes obligé de faire des liaisons hétéroatomes, c'est-à-dire que dans une molécule d'oxyde de chlore, les liaisons se font entre le O et le chlore. Vous pourriez aussi me dire, ah mais j'en ai deux qui se mettent comme ça. Oui, mais non, parce qu'alors ça fait une molécule de chlore et plus de l'oxyde de chlore. Donc vous êtes toujours obligé de faire des liaisons hétéroatomes. Et même chose, vous ne pouvez jamais faire des liaisons entre des électrons qui sont sur le même atome. Ça n'existe pas. Donc, j'ai deux liaisons comme ça. Au niveau de l'octet, le O est bon et le Cl aussi. Le O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai deux covalentes polarisées. C'est dépolarisé donc au niveau des charges. Qui est-ce qui est le plus fort? C'est le O. Donc le O devient 2 delta moins. Et le C devient delta plus. Mais c'est pas grave parce qu'il partage quand même ses électrons. Alors, pH3. Alors je pense que le P il est à 2,1 aussi. Donc on arrive à 2,1 moins 2,1, soit 0. J'ai donc des liaisons qui sont covalentes pures. Le P a 5 électrons. Le H en a à chaque fois 1. Donc pour pouvoir faire l'octet et que tous les petits électrons célibataires fassent des couples, eh bien je dois faire 3 liaisons covalentes pures. C'est des covalentes pures, donc j'ai pas de charge. Et au niveau de l'octet, le P est OK parce qu'il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le H est OK parce qu'ils en ont à chaque fois 2. Alors, dans BCl3, au niveau de l'électronégativité, donc le Cl, il est toujours à 3, je pense. Moi, j'ai 3,16 dans mon tableau, mais je pense que chez vous, il est à 3. Et le B, il est à 2,04 ici. Donc, en gros, vous devez avoir une différence qui est plus ou moins égale à 1. Donc, une liaison qui va être covalente polarisée. Donc, j'ai un B avec 3 électrons qui doit faire des liaisons avec 3 Cl. Et normalement, si vous avez compris le truc, ben vous allez tout de suite voir que j'ai ces 3-là qui vont se mettre comme ça. C'est une liaison covalente polarisée, j'en ai 3. Donc, j'ai des delta plus et des delta moins. Celui-là est delta moins et delta moins, et lui est 3 delta plus. Au niveau de l'octet, le Cl il est bon, le B par contre, il n'est pas bon. Alors vous allez me dire, bah oui, bah donc il y a un problème, la molécule ne peut pas exister, vu que je n'ai pas arrêté de vous bassiner en vous disant que les molécules, pour être stables, elles faisaient l'octet, et que si elles ne faisaient pas l'octet, ça ne pouvait pas exister. Oui, mais les seules molécules qui peuvent exister avec des atomes qui ne font pas l'octet, sont des molécules dans lesquelles l'atome est complètement delta plus et donc il se débarrasse entièrement de ses électrons. Et dans ces conditions-là, cette molécule peut exister. Donc en fait, il fait un espèce
de faux octets en se débarrassant de ces électrons, même s'ils ne les donnent pas entièrement, ils les donnent partiellement, et donc ça marche quand même, ils sont déplacés vers le chlore, et c'est comme si le B vidait sa couche. Donc, une molécule peut exister, non, peut contenir un atome qui ne fait pas l'octet, peut contenir un atome qui ne fait pas l'octet, si et seulement si cet atome est delta plus fois le nombre d'électrons qu'il possède. Et alors, ça marche. Sinon, c'est que vous êtes planté quelque part. Alors, les deux dernières molécules, si je ne me trompe pas, c'est H2CO3. H2CO3 et HIO4. Alors, H2CO3 et HIO4. Alors, il me semble avoir expliqué dans la vidéo de théorie que pour les molécules ternaires, une molécule ternaire, rappelez-vous, c'est une molécule qui est composée de trois atomes, enfin de trois types d'atomes. Pour les molécules ternaires, on a toujours un M' au milieu. Eh bien, ce M', il est placé au milieu de la molécule. Les oxygènes sont placés autour de ce M' et seront donc liés un certain nombre de fois avec ce M', et les hydrogènes ou les métaux qui seraient à l'extérieur sont eux placés sur les oxygènes. Alors là, il y en a deux, donc j'en mets deux. S'il y en avait eu trois, ben j'en aurais mis trois. D'accord? Ça a toujours cette structure-là, parce que sinon vous allez galérer pour pouvoir placer les atomes. Vous devez savoir qu'en fait, dans H2CO3, eh bien, les H, ils sont toujours liés à l'oxygène et pas au C comme on pourrait penser que ça l'est. Donc, si je dessine la molécule de H2CO3, j'ai donc un C avec trois oxygènes et deux hydrogènes que je vais mettre chacun sur un O. Je vais dessiner les électrons et les doublets électroniques de tout le monde. Et le C, il en a 4. Et puis, il faut que j'arrive à goupiller tous ces électrons. Donc, ben, j'ai déjà un H d'office qui est lié à un O, et la même chose. J'ai d'office un O qui doit être lié à un C. Et puis, en fait, vous voyez que ça se goupille très très bien. Le C a encore deux électrons célibataires et le O encore deux électrons célibataires. Alors comme ça c'est un peu moche, en réalité quand on l'écrit convenablement, on verra ça après en géométrie spatiale 3D, vous verrez que on dessine un truc du genre et que c'est un peu plus nickel que ça. Maintenant par contre, comment est-ce que je fais au niveau des électronégativités? Parce que dans H2CO3 en gros, j'ai potentiellement deux types de liaisons. J'ai des liaisons HO et j'ai des liaisons OC. Donc, je vais devoir calculer deux électronégativités. Entre H et O, j'ai 3,5 moins 2,1. Et entre O et C, ben, j'ai 3,5 moins 2,5. Donc, j'ai 1 dans le deuxième cas et j'ai 3,5 moins 2,1, 1,4 dans le deuxième cas. Donc, ce sont toutes des covalentes polarisées. D'accord? Qui dit covalente polarisée dit charge delta plus delta moins. Le H est delta plus parce qu'il est moins électronégatif que l'oxygène. Le O est 2 delta moins parce qu'il attire les électrons vu qu'il est plus fort que le H et qu'il est plus fort que le C. Les oxygènes en général, ils sont toujours 2 delta moins en fait. Vous devez revenir. Je ne pense pas avoir vu jamais une molécule qui est, dans laquelle l'oxygène est plus. Et le C, il est 4 delta plus. Ils font tous l'octet. Donc si vous comptez l'octet, oui, parce que l'hydrogène en a 1 et tous les oxygènes en ont 8. Donc ils font tous l'octet et le carbone en a 8 aussi. Et donc c'est une molécule dans laquelle j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 covalentes polarisées. Attention, c'est pas parce que ici toutes les liaisons sont covalentes polarisées, j'aurais très bien pu avoir une molécule avec un type de liaison et un autre type de liaison. Alors, la dernière molécule, c'est aussi une molécule ternaire. Donc, on a un I. Et alors là, cette fois, vous allez voir que c'est un peu particulier. On a un I qui est lié à 4 oxygènes.
Donc j'ai 4 oxygènes autour de ce I. Et puis j'ai un H sur un des oxygènes. Et là, vous allez me dire, ben non, là, il y a un souci, c'est pas possible, il n'y a pas assez d'électrons célibataires. Oui, mais en fait, les non-métaux, ils peuvent décider, enfin, décider façon de parler, de scinder leur doublet électronique en deux électrons, en deux électrons libres, pour pouvoir faire des liaisons. Et dans ces conditions-là, en fait, eh bien, le O, les oxygènes, pardon, vont avoir assez d'électrons célibataires pour pouvoir faire toutes les liaisons qu'il faut. Au niveau de la différence d'électronégativité, c'est de nouveau la même histoire. On a une liaison HO avec une différence de 1,4 et on a une liaison OI avec, si on regarde dans le tableau, 3,44, donc 3,5 moins le I, 2,5 à mon avis. Donc on est de nouveau à 1, donc on n'a que des covalentes polarisées. Qui dit covalente polarisée dit charge, delta plus, delta moins, le H est delta plus, les oxygènes sont toujours de delta moins, si vous, enfin, il vous suffit de compter, hein, parce que moi à un moment donné je le sais, et le I, il est 7 delta plus. Au niveau de l'octet, H et O c'est ok, le I c'est non. Pourquoi est-ce que c'est non? Parce que si vous comptez le nombre d'électrons, je vais le mettre en vert, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, c'est clairement pas 8. Donc, le I n'a pas 8 électrons autour de lui, il en a 14 qui gravitent autour de lui. Mais comme il est chargé delta plus, c'est-à-dire qu'il donne ses électrons et que ses électrons sont donc plus souvent autour des oxygènes que autour de lui, eh bien, c'est comme s'il faisait l'octet. Donc voilà, ça c'est pour la correction de ces exercices-là. Alors je vais vous en envoyer d'autres, et puis je vais vous envoyer un espèce de je sais pas moi, une espèce de prépa d'interro ou d'exercice côté ou quelque chose de ce genre-là pour que vous puissiez vous entraîner et faire d'autres molécules.